Certains auraient pensé Lucas incapable d'un tel miracle. Mais en fait, il a tiré la chance. On dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Et pourtant, Lucas a réussi à se trouver à Tobruk puis à El Alamein. Tout le monde savait pour la victoire des Alliés en Afrique du Nord. Mais elle n'était pas due au commandant britannique ni au puissant char d'assaut. Lucas détenait l'histoire cachée et Richter gobait tout. S'est fait plaisir aujourd'hui. Il doit sentir la promotion arriver. Après tous les renseignements qu'on a donnés à ce con, il nous pond ce plan de merde. Aucune chance que ça fonctionne. Jacobs, qu'est-ce qu'il dit? Oh, il vous remercie personnellement, toi et Dess, de vous investir autant. Va te faire voir. C'est le roi et la patrie. Toujours le roi et la patrie. Nom de Dieu, c'est bien ce que je pense. Mais où t'as trouvé ça? Traînez par là. Si il t'attrape avec ça, t'es mort. Eh ben, santé. Oh, putain! Allez, allez! Arrêtez de menacer! Écoutez-vous, faut riposter! Les traites sont en avance! Est-ce que quelqu'un peut éliminer ce lance-roquettes? Merci! Avance! Faut défendre les chars! C'est même pas la première ligne! Où est passé ton esprit d'aventure? Poche sur la colline! Dégagez! Une autre unité à l'arrière! On s'arrête pas!
Les ai tous eus. Pour rejoindre Bluey et Ham sur le front. On pourrait se faufiler par là. Lucas, fais-moi un coup de main. Par ici, Lucas. Jacobs, passe. Yes. Bon sang. Regardez-moi ce carnage. Ham s'appelle ça une avancée. L'infanterie allemande a pris d'assaut nos chars. Alors on n'a qu'à attaquer leur infanterie. Ouais, on va se balader tranquillement au milieu de toute cette dévastation. Après tout, on n'est pas là pour enfiler des perles. Je vais bien. Ça va. Mais Major, on est en train de se faire démonter. Je vous ai donné un ordre. Formez un périmètre. Protégez le blindé. Monsieur, j'espère que vous déconnez, là. On va tenir la position. Notre soutien aérien est foutu.
Si on se débarrasse pas de ces canons, il n'y aura aucune position à tenir. Vous avez vos ordres. Rien à battre, des ordres. On prend cette colline. Tout seul? Ouais. Rien que nous deux. Moi et Dess. Compte sur moi. Tenez, prenez ça. Détruisez ces foutus canons, puis lancez cette fusée bien haut. Ensuite, j'appellerai nos bombardiers. Bonne chance. C'est parti. J'espère que Jacobs et Bluey résisteront. Ouais, y a pas de quoi. Tu plaisantes, je fais tout le boulot. Les canons sont par là. Imagine la tête de Hams quand il verra qu'on a réussi. Ne fais pas d'illusions. Il dira à tout le monde que c'était son idée. Attention! Merde! C'est pas passé loin. Allez, bâtards, fais gaffe, ils sont partout. Thank you.
Envoyez tous les Boches à 1 km à la ronde pour appliquer. On va devoir les repousser jusqu'à l'arrivée des bombardiers. Aide-moi avec cette mitrailleuse. Des, envoie la fusée. Je pensais pas que la journée se finirait comme ça. Bah, après tout, pourquoi pas. Je suis prêt! Comme d'habitude, de faire tout le boulot! Ouais. On va trouver ici, et emmener le plus de roches possible avec nous. C'est ce qu'on va voir! C'est foutu! Bah, prends un fusil! Y'a encore du boulot! Où sont ces bombardiers? Ils ont intérêt à appliquer tant que je suis en tête! C'est pas toi qui gagne! Je gagne! Et accélère si tu veux me rattraper! Préparez-vous à tirer! Où tu vas, Lucas? Il approche! Je sais, je sais! Ces connards!
Jacob, s'il a vu ta fusée, Dez. Tu m'as battu, Dez. Parfois, la seule façon d'honorer un soldat mort est de terminer la mission. Mais difficile de penser à ça quand vos bottes sont encore tachées de son sang. C'est ce que j'ai dit à Lucas quand je l'ai rencontré. La guerre nous a appris ça. La stricte hiérarchie du commandement allié ne voyait que les défauts de Lucas. Insolent, grossier, habitué des séjours en prison. Il était parfait pour mon équipe. Même s'il est vrai qu'il a un sacré crochet.